Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Ta montagne, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Celui qui l'a fondé sur les mers, qui l'a gardé inébranlable sur le sol. Qui peut graver la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Montagne pure aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici la langue qui recherche ta face. Porte, levez vos frontons. Élevez vos portes éternelles, il entre le roi de gloire. Il est le roi de gloire, c'est le Seigneur de trône vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles. Il entre le roi de gloire. Il entre ce roi de gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, gravira ta montagne, Seigneur. Béni soit Dieu le vivant, béni soit son règne. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. Rends-les grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersé. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous rassemble de toutes les nations où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers l'Église, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Il sert le roi de la face,
J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Faites-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu le vivant. Béni soit son règne. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Priez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vaut la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Oui, aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. L'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse et retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Tremble devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut des rois n'est pas dans son armée, et la victoire de guerre est dans sa force. Illusion que des chevaux pour la victoire, une armée ne donne pas le salut. Sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Comme notre espoir est en toi, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Thank you.
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, au premier chapitre, les versets 20, puis le chapitre 2, les versets 4 à 1. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore, « Que les oiseaux foisonnent d'une provision d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bêtes, bêtes et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bêtes selon leur espèce, et toutes les bêtes de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bêtes, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bêtes qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Par le psaume 8, méditons. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prends le souci.
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mets impurs, c'est-à-dire non lavés. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mets impurs. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen.
chers pères archevêques et évêques, chers experts, juste trois petits mots en ce matin. Le premier, c'est souhaiter la bienvenue justement aux archevêques et évêques venus de l'Afrique centrale, disons des pays de la CEMAC, et constitués en ACERAC, Association des conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Soyez les bienvenus sur cette terre congolaise et dans ce beau bijou, n'est-ce pas, du siège de la CERAC. Nous allons avec vous préparer, justement, c'est le conseil permanent, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est le conseil permanent qui se réunit. Donc ce sont les présidents des conférences des évêques et puis accompagnés de leurs experts. Nous allons nous réunir pour préparer la 13e assemblée plénière de la CERAC qui se tiendra au Tchad. Tout à l'heure, l'abbé Antonio, qui est le secrétaire général, se chargera de présenter les évêques ici présents, les différentes délégations. Le deuxième point, c'est l'interpellation, j'allais dire, de Jésus dans l'Évangile, qui nous ramène, n'est-ce pas, à notre matrice, à ce que nous devons être, à ce que nous devons faire. L'on peut penser à Laudate aussi, hein, déjà dans la première lecture, donc c'est comme une sorte d'hymne à la création. Mais je m'intéresse simplement à une phrase de Jésus, et dans l'Évangile, déjà, avant l'Évangile, déjà, l'annonce de l'Évangile, dans l'acclamation qui nous a été lue par le Père tout à l'heure, Michel-Ange, eh bien, il a été dit, « Alléluia, fais-nous respecter les exigences de ta parole. » L'exigence, les exigences de ta parole. Et Jésus, face aux pharisiens qui sont en train de remettre en question la pratique des disciples, ainsi de suite, Jésus rappelle, ce peuple-là m'honore des lèvres. C'est ce qu'il a dit dans l'Évangile. Et il ajoute, il met de côté la volonté de Dieu pour appliquer sa tradition. La paix de Christ. Amen. Pour appliquer sa tradition. Alors, l'homme, c'est vrai, a des coutumes, ainsi de suite. Mais seulement ces coutumes-là, si l'on ne fait pas attention, si ces coutumes-là ne sont pas, j'allais dire, assainies par la parole de Dieu, eh bien ces coutumes peuvent devenir même des déviations. Et on en fait, n'est-ce pas, une culture. Ici, permettez que je revienne sur un point qui peut devenir rébarbatif, mais ça devient comme un cauchemar. Non seulement pour moi, ça devait devenir un cauchemar pour tout le monde. La paix du Christ. Amen. Alors, de ce que vient de dire Jésus, je retiens, n'est-ce pas, ce qui a été déjà annoncé dans la première lecture, dans Genèse 1. Voilà, dans la création, eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, ce moment précis où Dieu, n'est-ce pas, en créant le ciel et la terre, il est écrit qu'il créa l'homme et la femme. Vous avez compris de quoi il s'agit. Il créa l'homme et la femme, mâle et femelle. Plus tard, Dieu qui a créé le ciel et la terre, va dire, voilà pourquoi, le récit dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? À ça? Bon, les choses sont claires. Aujourd'hui, nous avons une tradition qui est en train de venir, qui n'est pas notre tradition. On peut interpréter plusieurs choses, mais je reviens simplement à ce qui a été dit par Jésus. Vous laissez de côté, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour appliquer la tradition des hommes. Donc ce qui est de façade et qui ne donne pas forcément la vie. Et Dieu dit là, Dieu va dire, après cette déclaration, il dira, n'est-ce pas, en Genèse 2, 24, eh bien, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, il s'agit, n'est-ce pas, de deux sexes opposés. Aujourd'hui, vous savez ce que, où nous entraîne la théorie du genre. Si dans les pays d'outre-mer, en d'autres termes, les nations euro-américaines, si là-bas, à un certain moment, ils sont entrés dans un certain rythme effréné, eh bien, et ils veulent maintenant imposer, entraîner l'Afrique là-dedans, nous, Africains, non seulement ça ne coïncide pas avec notre tradition, mais encore, la Bible le dit, les mêmes qui nous ont apporté l'Évangile là, eh bien, curieusement, ces nations-là sont en train de se retourner. Et heureusement, la position, n'est-ce pas, du magistère de l'Église est claire. Le magistère de l'Église nous dit ceci, attention, il s'agit d'un péché, et qu'on ne pourra pas bénir le péché. C'est clair, vous l'avez vu, je pense, vous avez vu.
Vous avez écouté le magistère de l'Église, c'est-à-dire l'autorité compétente. C'est Rome qui dit c'est un péché. Et hier, dans un débat avec les pères évêques et archevêques, il y a l'un de nous qui a insisté, je ne dirai pas son nom, attention, c'est même contre nature. Donc ce péché-là, c'est pas de la contre-naturalité. C'est contre nature. Alors, s'il faut respecter la parole de Dieu, qu'allons-nous respecter? Vous respectez la parole de Dieu, eh bien, il est écrit. Attention, premier principe. L'homme quittera son père pour s'attacher à sa femme. C'est l'hétérosexualité, sexe différent. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Genèse 2, 24. Et deuxièmement, il s'attachera à sa femme. C'est la monogamie. Et troisièmement, Jésus. Jésus, en Matthieu 19, plus tard, il suffirait de lire, n'est-ce pas, des versets 1 jusqu'à 12. Eh bien, Jésus dit ceci, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, il institue le mariage. Il concrétise, il institue ce que nous appelons la sacramentalité du mariage. Jésus élève le mariage au rang de sacrement. Et il dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est l'inséparabilité ou l'indissolubilité. Voilà ce que nous dit la Bible et que l'Église n'invente pas. Que l'Église n'invente pas. Alors aujourd'hui, avec toutes ces pressions qui nous viennent de l'extérieur, eh bien, nous devons faire attention. Alors je saisis simplement cette occasion qui m'est donnée, et puis par la grâce de Dieu, ce texte-là coïncide, la parole de Dieu coïncide. Je saisis cette occasion pour demander humblement aux pères évêques qui sont également préoccupés par ce point, que nous de la SERAC, je pense que voilà un thème que nous devons non seulement exploiter, mais que nous devons exposer, nous devons interpeller. Nous sommes là, les évêques de l'Afrique centrale. Nous sommes, permettez le terme, ce n'est pas le bon terme, nous sommes des serviteurs, mais j'allais dire nous sommes les patrons des églises. Vous comprenez ça? En Afrique centrale. Ce sont les présidents des conférences des évêques. Donc, nous avons ce moyen-là, nous avons ce pouvoir, non pas de changer le monde, mais simplement de ramener l'homme, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, pour que certaines traditions inventées par l'homme, qui n'élèvent pas l'homme, qui avilissent l'homme, ne puissent pas détruire ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu ce que nous avons entendu. Mais l'homme est tellement prétentieux, subtil, j'allais dire simplement diabolique quelque part, eh bien l'homme va jusqu'à remettre en question ce que Dieu a voulu. Il remet en question la création, ça nous le savons, et il remet en question l'institution du mariage par Dieu lui-même. Voilà. Alors c'est un appel, je ne dis pas que, non, tous les évêques sont préoccupés par ça, mais je profite justement pour rappeler simplement que c'est un combat. Et nous ne devons pas baisser les bras, parce qu'on le veuille ou non, nous disons que ça ne nous concerne pas. Ouais, ça ne nous concerne pas, mais entre-temps, c'est déjà comme des fourmis dans le plancher. Ça, vous le savez, ici au Congo-Brazzaville, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Il y a déjà ces unions à gauche et à droite, et nous nous taisons. Il y a un verset qui me vient en tête, c'est 2 Timothée 42 qui dit ceci, mais proclame à temps et à contre-temps la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, nous devons proclamer à temps et à contre-temps. 2 Timothée, j'ai dit 42, non, 4, 2. 2 Timothée, 4, 2. Alors, nous allons demander cette grâce à Dieu de nous aider à affirmer notre foi. Cette foi, qu'elle soit inébranlable, quels que soient ces lobbies extérieurs qui veulent nous imposer des choses. Nous avons des écoles catholiques, nous avons plusieurs institutions, nous avons tous les moyens, les paroisses, ainsi de suite, pour passer, insister, consolider le message de Dieu. Maintenant, le dernier point, c'est simplement la prière. Saint Paul nous dit de prier pour les chefs d'État, de prier pour notre nation, de prier pour les familles, ainsi de suite. Alors, prions, mes frères et sœurs. Prions beaucoup, parce que Satan est Satan, qu'on le veuille ou non. Il utilise, n'est-ce pas, aussi des structures, des organisations internationales qui véhiculent ce qu'on appelle les structures de péché. Si c'est l'ONU qui a parlé, vous allez faire quoi? Un jeune homme, n'est-ce pas, qui ouvre, il voit que c'est l'ONU qui a parlé. Il voit que c'est l'UNICEF qui a parlé. Il voit que c'est tel président qui a parlé. Il voit que des lois ont été votées. On va se dire, c'est normal, parce que c'est passé par de grandes institutions. Mais justement, ces grandes institutions
sont aussi utilisés par le diable pour pouvoir nous imposer des choses contre nature, contre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier. Notre arme, c'est la prière. Priez pour les évêques. Priez pour les évêques que nous sommes. Priez, n'est-ce pas, pour les prêtres, les religieux, religieuses. Et priez pour vous-même aussi. Et en priant, pensons, n'est-ce pas, à nos dirigeants. Quand je dis à nos dirigeants, pensons, n'est-ce pas, à nos députés, ceux qui sont dans les assemblées, ceux qui votent les lois, afin que les députés chrétiens et ceux qui ont les hommes de bonne volonté ne se laissent pas entraîner par l'argent. Parce qu'à cause de l'argent, nous allons vendre notre âme. Vous comprenez? Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Puisse le Seigneur en ce matin nous accorder la grâce de l'aimer par-dessus tout, de faire des efforts pour pouvoir vivre sa parole, de préférer sa parole à nos traditions inventées. Mais que sa parole soit inculturée à nos traditions, autrement dit, assainir ce qui n'est pas normal et élever ce que Dieu a donné à travers sa création. Amen. Amen. Prenons l'intercession. Appelé avec le Christ à devenir louange à la gloire de son Père, nous l'acclamons, notre Sauveur et notre Dieu. Réveillé de notre sommeil et relevé d'entre les morts, nous offrons par toi le sacrifice de louange, notre Sauveur et notre Dieu. Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements, en faisant comme toi ce qui plaît au Père, notre Sauveur. À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir, que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Accorde-nous de ne contrister personne aujourd'hui. À ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie.
Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Et élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau y rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu, les évêques de la Sérac, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Thank you.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais que c'est vrai.
prêtre fera de grâce, Dieu de l'univers. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Servons juré à notre Père Abraham, que délivrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, le nom qui se soit appelé au fête du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Donner à son peuple de connaître le salut, à la rémission de ses péchés. Grâce à la converse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visitons l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent le ténèbre et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Seigneur, tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. Comme nous l'avons déjà annoncé depuis des mois, en février, nous aurons le conseil permanent des évêques macérins. Et voici le temps arrivé pour la tenue de ce conseil. Comme l'a dit Mgr Lachéret, le conseil permanent de la CERAC regroupe les présidents des conférences épiscopales de cette région de la CERAC, de six pays. De plus en plus, on a associé à ce conseil les secrétaires des conférences épiscopales et puis des experts. Je vais les présenter ici et maintenant. Par pays, lorsque j'évoquerai un pays, je prierai au président et à son secrétaire de s'élever pour que le peuple de Dieu vous voie. Et ensuite, je vais procéder à présenter d'autres composantes de cette structure. Je commence du nord au sud de la sous-région. Je commence donc par le Tchad. Président et secrétaire, vous avez Monseigneur Edmond Jitangar, archevêque de N'Djamena, président de la conférence épiscopale du Tchad, président de la CERAC. Applaudissez d'abord avant que... Accompagné du secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, le père Romain Guelbé. Merci. Cameroun, président et secrétaire, vous avez son Excellence Monseigneur Andrew Nkeya, président de la conférence épiscopale du Cameroun, archevêque de Bamenda, au Cameroun. Accompagné du secrétaire général du Cameroun, le père Gervis
Kebei. Centrafrique. Vous avez, Son Excellence, Monseigneur, il faut me rappeler le nom, parfois j'oublie. Nestor Nongo, évêque de Bossangwa, président de la Conférence épiscopale de Centrafrique. Accompagné du secrétaire général du même pays, le père Cédric Anthony. Gabon. Vous avez Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo, évêque de Doyem, président de la Conférence épiscopale du Gabon. Accompagné de son secrétaire, donc le secrétaire de la Conférence épiscopale du Gabon, le père Jean-Michel Bengon Otunga. Guinée équatoriale. Vous avez Monseigneur Juan Domingo Beka, évêque de Mongomo, là où nous avons tenu l'assemblée plénière. Hein, Mongomo est resté dans nos têtes. L'assemblée plénière, lui, il est évêque de Mongomo et président de la conférence épiscopale de la Guinée équatoriale. Accompagné du secrétaire général de la conférence du même pays, le père Christine Mbon Ela Ngonga. Quel pays qui reste là? Le Congo, c'est ça? Non. Le Congo d'abord, le Congo, s'il vous plaît. Le Congo, vous avez le président de la conférence épiscopale du Congo, archevêque de Brazzaville, Monseigneur, bienvenue. Vous le connaissez. Accompagné de son secrétaire de la conférence épiscopale du Congo, l'abbé Brice Armand Ibombo. Je continue avec les présentations. Donc, en dehors des archevêques présidents de conférences, nous avons aussi d'autres composantes qui font partie de cette structure. Nous avons Son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala. Nous avons ensuite Son Excellence Monseigneur Jean Mbarga, archevêque de Yaoundé et président de grand chancelier de notre université, l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Applaudissements. Je continue. Toujours Cameroun. Nous avons le père Bertrand Salla, recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Donc le chancelier et le recteur sont venus pour dire que nous avons aussi une thématique concernant cette université-là. Ils sont venus pour ça. Nous avons ensuite les experts, parce que lorsque les évêques abordent une thématique quelconque, ils ont ce qu'on appelle les experts qui les aident à réfléchir. Et donc nous avons, je commence par le laïc, le professeur Jean-Paul Messine, secrétaire académique de l'Université catholique d'Afrique centrale. Professeur. C'est le seul laïc du groupe. Il est toujours avec nous. Nous avons ensuite le père Charles Moukala, professeur dans cette université, expert de la CERAC. Il est vice-recteur de l'Université catholique, mais prêtre du diocèse de Kinkala, ici au Congo. Il faut le savoir. Nous avons le père Steve Bobongo, doyen de la faculté de philosophie de cette université-là.
expert de la Serac. Diocèse de Pointe-Noire au Congo, mais travaillant au Cameroun. Nous avons nous avons l'abbé Maurice et moi, hein, vous, nous le voulons. Nous sommes connus par vous. Donc, les travaux commencent ce matin à 9h30. Nous aurons 3 ou 4 jours intenses de travail. Hein, de 9h30 jusqu'à, je vais dire, à 18h avec des petites pauses. Donc, ceux qui voudront saluer les évêques, il faut choisir le moment de pause pour les saluer et éventuellement demander la bénédiction. Ça fait du bien. Merci. Bon, après la messe, on va tout droit, on ne va pas à la sacristie pour la photo des familles avec les évêques. D'abord les évêques eux-mêmes et puis le peuple de Dieu avec les évêques. Merci. L'ennemi va aussi sortir. En d'autres termes, Jésus qui a proclamé la vérité, eh bien, il nous l'a dit. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui marche. Bon, ne pensons pas qu'en proclamant la vérité, ça va être facile comme ça. Bon, c'est le cardinal barbarien avec des problèmes là-bas chez eux. Eh bien, nous aussi, il ne faut pas s'étonner qu'on puisse salir tel et tel, parce que nous allons contre les antivaleurs. Satan ne dort pas. Mais Jésus est vainqueur, il nous l'a dit. Faites tout ce que vous voulez, les pouvoirs de la mort n'auront pas de pouvoir, n'auront pas de puissance, ne feront rien contre l'Église, contre mon Église. Prions le Seigneur, recevons plutôt la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.